Salut à tous, salut à tous. Donc vidéo aujourd'hui pour comparer OpenLayer et Leaflets. Donc ce sont deux frameworks cartographiques en JavaScript qui permettent de réaliser des cartes interactives web. Donc ce sont les deux plus connus. Il y a pas mal de vidéos déjà sur la chaîne concernant les deux frameworks, plus OpenLayer que Leaflets d'ailleurs. Vous pouvez aller les voir dans les playlists concernées. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo comparative de ces deux frameworks. Deux annonces avant. La première, c'est que je vais me remettre à faire des vidéos courtes, entre 0 et 5 minutes. J'ai toujours aimé, même sur Internet, quand je regarde des vidéos tuto, je préfère avoir des vidéos de 5 minutes ou moins que 1 heure. Et ensuite, je vais vous présenter l'Instagram de la chaîne YouTube. Parce qu'en fait il existe et je viens de le lancer il y a quelques temps. Et donc c'est pour vous dire qu'il existe et vous pouvez vous abonner dessus. Donc l'objectif, vous voyez, il y a deux followers, c'est d'arriver à 5 followers en décembre. Donc énormément d'ambition, mais voilà, il existe. Abonnez-vous à l'Instagram de la chaîne. Voilà, ça me permet d'avoir plus de followers et de diffuser plus de contenu, sachant qu'il y a déjà le Twitter, le Facebook et le YouTube. Voilà. Trois réseaux sociaux, c'est déjà bien. Instagram, je suis pas fan spécialement de ce réseau social, mais bon, on va essayer de s'y mettre et de publier rapidement dessus. Donc abonnez-vous à cet Instagram. Plus il y a de monde, mieux c'est pour la chaîne. Et aussi, toujours petit rappel, et après on passe à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et souscrivez aussi, si possible, pour soutenir la chaîne financièrement. Plus il y a d'argent, mieux c'est. On revient à notre vidéo comparative, donc entre les deux frameworks que sont OpenLayers d'un côté et Leaflet de l'autre. Donc il y a plusieurs vidéos qui détaillent chacun des deux frameworks de façon plus détaillée, qui présentent les deux frameworks de façon plus détaillée. Mais là aujourd'hui, petite vidéo comparative, puisque jamais, voilà, je préfère faire des vidéos comparatives, on va les faire courtes. Moi je suis plus fan à la base d'OpenLayers. Je trouve que la plateforme est plus technique et offre plus de fonctionnalités et de possibilités techniques à l'utilisateur, alors que Leaflet, à mon sens, mais ça je vais revenir par la suite, c'était plus un framework graphique qui permet de faire de jolies cartes avec de jolies couleurs, de jolis effets. OpenLayer, c'est un peu plus brut de découpage, mais néanmoins plus puissant techniquement. Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas faire de jolies cartes, c'est-à-dire que juste de manière native, il est plus compliqué de faire des jolies cartes que sur Leaflet qui est vraiment destiné à ça. Néanmoins, alors plus juste info, OpenLayer 7 est sorti, ça y est, depuis quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, OpenLayer 7 est sorti. Alors déjà, dans ces deux frameworks carto, pour refaire l'historique, mais ils sont compatibles avec tous les standards OGC, WMS, WFS, etc. Ils sont assez simples à utiliser les deux. Il n'y a pas un framework plus simple que l'autre à utiliser. Néanmoins, en regardant, alors Leaflet propose des fonctionnalités de base, les map providers, les tuiles vecteurs, comme OpenLayer d'ailleurs, hein, si on va voir un peu les exemples, les fonctionnalités. Là, OpenLayer vous en offre 230 de façon native, même si c'est assez facile de coder. Et Leaflet un peu moins de façon native. L'export, l'user interface, si on va sur Leaflet et qu'on met user interface, je sais pas, et qu'on va Eligible Button, donc on va les démos. Donc là, c'est pour implémenter des boutons de manière simple sur Leaflet. Sur d'ailleurs, je crois que Leaflet est maqué avec Bootstrap. En voyant ça, je vois du Bootstrap. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Des menus contextuels. Ouais, je vois pas de menu là spécialement, mais pourquoi pas. Ah, peut-être parce qu'on est en simple écran. Non. Donc voilà, donc de base, Leaflet propose des fonctionnalités assez classiques. Globalement, ils proposent les mêmes fonctionnalités. L'édition de géométrie, l'export. Donc, toc, toc, toc. On va voir un peu, hein, toujours, on se balade un peu. Donc voilà, il y a les fonctionnalités d'export qui ont été codées dans JavaScript et vous pouvez voir le code associé. OpenLayer propose à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc drag and drop, export PDF. Interagir avec l'emprise de la carte, le dessin, rendu fractal, fait voir un peu le rendu fractal, ouais, ça permet de faire des fractales. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités similaires aux deux frameworks. Et quand on regarde bien Leaflet, pour revenir à ce que je disais au début, je trouve que Leaflet a désormais plus de fonctionnalités qu'OpenAir, ou autant en tout cas. Alors,
En termes de fonctionnalités, on va dire c'est kiff-kiff. Parce que ouais, leaflet, toutes les fonctionnalités qu'il a, là je les défile, je défile toutes les fonctionnalités, toutes les. Avec bootcode et compagnie, hein. Leaflet Street Label avec les démos et les contributeurs. J'ai l'impression que leaflet dispose d'autant de fonctionnalités qu'Open Layers. Donc ça c'est à signaler, donc pas mal. Faire des cartes accessibles pour handicapés. Les fonds de cartes, etc. Et en plus, leaflet. Alors là on était dans les plugins de leaflet. Donc. Les plugins de Leaflet proposent vraiment tout un tas d'extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités essentielles à Leaflet. Et vous avez aussi toute une partie de doc qui permet voilà, de jouer avec la carte. Donc là, on a les panels, si on veut mettre des panneaux, segmenter la carte en différentes parties. Panel for pop-up, donc ça c'est pas mal. Et avec les bouts de code qui vont avec. D'accord? Donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez des tutoriels là pour les deux. Là, Leaflet, si je vais sur OpenLayers, on va voir un petit truc simple. Bitmap, vous avez ce qui est très très bien. Donc, vous avez la fonctionnalité. On voit les fonctionnalités. Et vous avez les bouts de code qui vont avec JavaScript, HTML et JSON si vous utilisez Node.js. Parce que les deux sont compatibles avec Node.js. Vous avez la documentation pour les deux. Là, on est sur une partie code et exemple. Évidemment, vous avez la documentation pour les deux ici. Donc, Quick Start, tutoriel. Si on va sur les tutoriels. Tutoriel pareil, on a les tutos, donc ça c'est vraiment la même structure hein. Tuto, doc et exemple. Vous pouvez les télécharger ici. Donc, Leaflet est en 1.8, OpenLayer en 7.1. Bon, ça veut rien dire en soi hein, puisque ils ont chacun leur propre système de release. Et donc là, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités JavaScript très très bien détaillées pour les deux. Donc, ça c'est l'avantage. Et cela permet de coder à façon les cartes compatibles WMS, WFS, GeoJSON aussi. Donc voilà, voilà pour la comparaison entre les deux. J'ai envie de dire, si on va voir un peu des exemples concrets de cartes, overview, voilà, Leaflet classique, Lmap, bon, les vagues sont un peu différentes. Vous pouvez utiliser Leaflet OpenLayer si vous souhaitez. Hein. Et on va voir un peu du OpenLayers. Tac, donc pareil, tuile vecteur, les couches tuilées. Les couches vecteurs. Bon, là maintenant, là, ce qui est à la mode, ce sont les tuiles vecteurs. On en parle beaucoup. Donc, on va avoir une carte simple, vecteur tuile. Voilà. Bon, ça compatible avec Mapbox, les deux évidemment. On voit deux cartes simples. Donc là, on est en JavaScript. Là, j'ai l'impression que c'est du Node.js, j'ai l'impression. Et puis voilà, et puis vous voyez les cartes. Donc voilà, on est. Les fonds de cartes sont les mêmes. Hein. Les deux outils utilisent OpenStreetMap comme fond de carte, de base, de manière native. Donc ça, c'est l'avantage. Full open source, les deux frameworks sont full open source. Voilà. J'avais pendant longtemps. Et là, on peut éditer le code à la volée si on souhaite. J'avais longtemps préféré. Comment ça s'appelle? OpenLayer, mais maintenant, voyant les évolutions du Leaflet, je préfère les Leaflet. Pour être honnête, mais les deux sont très bien. Vous avez les blogs, voilà, dernière version 1.8 en avril 2022. Donc voilà, les deux frameworks sont très simples de prise en main. Les deux sont responsives, les flats en mobile, etc. etc. Vous pouvez intégrer du GeoJSON, ce qui est pas mal du tout. Donc là, vous voyez les GeoJSON et vous avez les codes pour intégrer vos GeoJSON. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous pouvez créer vos propres GeoJSON. Donc voilà. J'ai envie de dire merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et dites-nous lequel des deux frameworks vous préférez. Je vous dis à bientôt, bye bye, ciao.